au Africaine, africaines, africains du continent et des diasporas, je vous salue. Amis européens, asiatiques des luttes africaines pour la liberté, amis américains des luttes africaines pour la liberté, soyez salués. Vous, des océans atlantiques et indiens, soyez les bienvenus à cette émission et soyez promptes à la donner autour de vous, car votre serviteur ne se permet jamais de vous parler aussi tardivement si cela n'est pas d'une importance sous ce firmament. Soyez bénis où que vous soyez. Le président Assimi Goïta, un homme très réservé, un homme avare en mots, a pris la parole à l'occasion de la cérémonie des vœux de la nouvelle année 2024 pour s'adresser le cœur sur la main à son peuple et s'adresser au monde entier. Et parmi les propos qu'il a tenus, j'en ai personnellement retenu deux, deux, deux extraits. Pour examiner ces propos, je vais commencer par vous lire les extraits de ces propos qui ont été traduits du Bambara au français. Et ensuite, je vais vous donner un commentaire de chacun des propos. De telle façon que vous puissiez apprécier mon analyse et peut-être la confronter à votre analyse afin d'améliorer nos analyses respectives. Car spécialiste des questions politiques africaines et entre autres ouest africaine, je pense que dans les propos du président Assimi Goïta, il y a un gisement de vérité qui doit bénéficier à toute l'Afrique et qui doit bénéficier à la totalité de la communauté mondiale qui a besoin d'entrer dans une véritable ère du verso, l'ère de la vérité, justice, solidarité, l'ère de la math. Voilà pourquoi je tiens ici dans ma main, le was, le serpent sacré, symbole de la connaissance que mes ancêtres tinrent depuis des millénaires en Afrique et que nous n'aurions jamais dû abandonner un seul instant. Sans plus tarder, qu'a dit le président Goïta C'est important qu'on le sache. Je vais vous citer les deux extraits qui m'intéressent dans les propos du président Goïta. Il y a un premier extrait qui est rapporté par le site maliweb.net. Je remercie le site maliweb.net de la traduction qui a été proposée de cette intervention. Le président de la transition nous dit maliweb.net. Le colonel Assimi Goïta a reçu à Koulouba le lundi 15 janvier 2024 les vœux de plusieurs couches sociales de la nation. il s'agit des familles fondatrices de bamako, des autorités religieuses et des forces vives de la nation. lors de la rencontre, le président de la transition a fait des révélations sur les relations tumultueuses entre la france et le mali. extrait. citation des propos du président goïta. en 2020, lorsque la chute de l'ancien régime est intervenue, un chef d'état d'un pays étranger d'Afrique de l'Ouest, a demandé à me parler à travers mon directeur de cabinet. Ce chef d'État m'a transmis la sollicitation du président actuel de la France, Emmanuel Macron, de s'entretenir avec moi. J'ai donné mon accord et j'ai eu le président français au téléphone. Lors de cet entretien, après les salutations d'usage, le président français m'a demandé où nous en étions avec la situation politique au Mali. Je lui ai confié que les Maliens étaient alors en concertation et qu'à l'issue des dites concertations, nous aviserions de la suite à donner aux événements. Le président français a répliqué qu'il était inutile de perdre du temps parce que la France disposait déjà de trois hommes au Mali, parmi lesquels il ordonnait de choisir un président et un premier ministre pour diriger le Mali. Ces trois hommes politiques maliens au service de la France vivent toujours au Mali. J'ai rejeté cet impératif. En répétant que la conclusion des travaux de concertation des Maliens restait le seul passage obligé avant toute décision. Le président français m'a alors fait cette remarque. Citation des propos du président français. Faites attention. Le président Ibrahim Boubacar Keïta tergiversait sans cesse en demandant un temps de réflexion. Vous voyez ce qui lui est arrivé. Point d'interrogation. Fin de la citation des propos du président Asimi Goïta. Ça, c'est le premier extrait. Maintenant, je vous donne le deuxième extrait des propos du président Asimi Goïta. Et il est publié cet extrait, lui aussi, sur ma page Facebook. Deuxième extrait. Le président Goïta dit ceci, citation, le 9 juin 2021, là il est précis, il donne la date, l'ambassadeur de France au Mali a amené un document dans lequel il était dit que l'OTAN devait déployer des troupes au Mali pour s'ajouter à la mission de Takouba, Barkhane, la MINUSMA et le G5 Sahel. J'ai dit non. J'ai compris qu'il voulait faire de notre pays soit un point d'entrée de toutes les dérives, soit il voulait emprunter le chemin de la balkanisation, c'est-à-dire la division de notre pays. Fin de citation. Mes chers amis, ces propos sont des mines d'or, de renseignements. D'enseignement pour l'Afrique des libertés. Je vais vous le montrer maintenant dans la deuxième partie de cette conférence, c'est-à-dire l'analyse des propos du président Asimi Goïta. L'analyse de ses propos. Vous êtes plus de 1000 personnes actuellement sur TikTok. Vous êtes près de 2000 personnes actuellement sur YouTube. Vous êtes plus de 1340 personnes actuellement sur Facebook. Est-ce que vous avez pas pensé à distribuer cette émission autour de vous Est-ce que vous êtes en train de la regarder tout seul Les propos que vous venez d'entendre sont des propos impressionnants, sont des propos détonnants, sont des propos renversants. Ce sont des propos qui méritent d'être analysés, compris, assimilés. Il mérite d'être diffusé. Ce sont des propos historiques. Nous vivons un grand moment. Un grand moment d'histoire mondiale, d'histoire africaine. Est-ce que vous êtes en train de donner cette émission autour de vous Ou est-ce que vous me regardez comme on contemple un ours dans un palais de porcelaine Un éléphant dans un palais de porcelaine On n'a pas le droit de garder ce type d'émission. Nous allons commencer l'analyse des propos. D'abord, quand un chef d'État décide de révéler des propos qui au départ étaient confidentiels, cela veut dire qu'il a mûrement réfléchi avant de le faire. Donc on doit se faire l'hypothèse que s'il décide de révéler ses propos, premier cas, il est capable de prouver que ses propos ont eu lieu. Je recommence. S'il décide de révéler des propos qui se sont tenus dans des entretiens confidentiels, c'est que celui qui, en tant que chef d'État, décide de les révéler, est prêt à prouver que ça a été dit. C'est-à-dire que ceux qui ont tenu ces propos ont sûrement été enregistrés. Écrivez ça. On commence l'analyse. Quand le président Goïta se lève et dit, tel m'a dit ceci tel jour, comme c'est un président, nous savons que les chefs d'État ont les moyens de garder la trace de tout ce que leur disent leurs homologues. Surtout quand cela se dit à l'intérieur de ces machines qu'on appelle les téléphones. Donc ça c'est la première information que vous devez noter. Le président Goïtia ne peut pas s'aventurer à dire et à attribuer des propos au président français s'il n'est pas capable de prouver que ces propos ont eu lieu. Car s'il lui attribue des propos qui sont faux, il court le risque d'être facilement démenti et donc d'être confondu. Vous comprenez Donc le fait qu'un président se lève et dise, tel président m'a dit ceci, ce fait indique qu'il a confiance en ses moyens de prouver que c'est le cas. Et donc, il faut déjà commencer par considérer ces propos comme une archive histoire, historique. Parce que je ne vois personne se lever pour dire que ces propos n'ont pas eu lieu, que ces actes n'ont pas eu lieu. Quand un président se lève pour dire, l'ambassadeur de tel pays est venu nous voir avec un document que nous devrions signer, un document selon lequel une puissance militaire, une alliance militaire étrangère devait s'installer sur notre sol. Quand un chef d'État vous dit ça, c'est qu'il a, a le document en main. Il a les images de l'ambassadeur en train de dire ça. Et il a le son de l'ambassadeur en train de dire ça. Donc, commencez par écrire ça. Le président Assimi Goïta n'est pas le camarade de quelqu'un. Quand il dit que quelque chose a été dit, l'habitude que nous avons avec lui, c'est qu'il ne nous a jamais menti. Et il n'a pas intérêt à être dément, démenti. Écrivez ça. Le président Asimi Goïta ne nous a jamais menti et il sait qu'il n'a pas intérêt à être démenti. Donc il faut prendre très au sérieux ses propos parce que ses propos sont des archives. Il s'agit là de pièces archéologiques qui seront à jamais inscrites dans l'histoire des nations et qui seront enseignées dans les facultés de sciences politiques, les facultés d'histoire politique les facultés eh bien, de géopolitique, de géostratégie, elles seront enseignées, les phrases du président Goïta, les révélations du président Goïta feront désormais partie du compendium de formation des futurs diplomates du Mali et de l'Afrique, et même du monde. Ça, c'est le, le premier élément que vous devez noter. Maintenant, nous allons entrer dans le premier extrait les révélations du président Goïta à propos de ce que le président macron lui a dit. D'accord Je commence par cet extrait là parce que c'est un extrait qui est riche d'enseignements. D'abord, il nous dit que en 2020, donc il nous donne la date, il est très précis parce qu'Assimi Goïta est un homme organisé. Là où il est là, quand il donne la date, ça veut dire il veut dire que j'ai encore les preuves. J'ai la date, j'ai le jour. J'ai l'audio donc, faut pas, il ne faut même pas m'énerver en disant que tu n'as pas dit ça. Sinon, je sors tout. OK Donc, il donne la date. Il dit en 2020. Lorsque la chute de l'ancien régime est intervenue, un chef d'État d'un pays étranger d'Afrique de l'Ouest a demandé à lui parler. Mais qui est ce chef d'État d'un pays étranger d'Afrique de l'Ouest qui demande à parler au président Goïta Moi, je ne sais pas qui il est. Je suis obligé de faire des hypothèses. Pour moi, il n'y en a que deux d'un pays étranger qui pouvait se permettre d'appeler pour le président français, le président Goïta. Pour moi, il n'y a que deux hypothèses. Première hypothèse, la plus certaine, Ouattara Alassane Draman. Alassane Draman Ouattara. Celui qui prétend être le vassal en chef de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest. Ma première hypothèse, c'est que c'est lui. Parce que lui, vous le connaissez. Sa manière inimitable de s'asseoir. Faites-moi confiance. Ah, non, 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 non. Non, 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 Pacron, je vais l'appeler, je vais, vais parler à Goïta. Je vais lui parler. Non, non, je vais, vais vous arranger ça. Faites-moi confiance, hein, Dominique? Oui, Chou? Vas-y, appelle Goïta, ambiance-le. Hein? Il nous a envoyé des moutons ici l'autre jour, d'ailleurs. Vas-y, vas-y, mélange-le complètement, Chou. Ouattara, 80%. Le président Goïta nous a pas dit hein, le nom du président. Donc, je fais des hypothèses. Je n'ai pas dit que moi, je sais. Pour moi, c'est Ouattara à 80%. Et il y a 20% de chance que ce soit le président togolais, Fort Yassimbi. 20%. Car en fait, le président Ouattara, euh, président du RHDP, il est l'homme qui est chargé de souffler le chaud pour la France-Afrique. Alors que le président du Togo, lui, il est chargé de souffler le froid. Les deux rendent compte à leur patron. Vous avez compris voilà la logique. Il y a un qui est chargé de représenter l'aile dure et l'autre qui est chargé d'être modéré, de faciliter, de proposer une solution. Si, si l'aile dure ne réussit pas, on passe par l'aile molle. Vous avez compris Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, pour moi, 80%, Ouattara Draman. Je, je reconnais sa manière inimitable de s'asseoir. Je vois son faciès asymétrique et sa démarche en point virgule. En train de faire ce coup de fil. C'est lui qui a été. C'est un individu outrecuidant. Et puis 20% de chance, Fornyasingbe. Parce que lui, il a des entrées des deux côtés. D'accord On avance. Ce chef d'État a demandé à me parler à travers mon directeur de cabinet. C'est ce deuxième détail qui m'amène à penser que c'est Ouattara Draman. Parce que le. Le Président du Togo n'a pas besoin de passer par le directeur de cabinet du président Goïta pour lui parler. Selon mes analyses, le président togolais et le président Goïta se parlent depuis très longtemps directement. Ou à la limite directement par leurs ministres respectifs. D'accord Donc, le fait qu'on passe par le directeur de cabinet me laisse penser que, une fois de plus, c'est Ouattara Draman. Mais je vous dis que ce sont des hypothèses. Je ne veux pas ici donner l'impression d'en savoir plus que ce que je dis. Je ne sais pas plus que ce que je dis. Je vous dis ce que moi je sais. Et c'est le texte du président Goïta qui m'amène à méditer, à cogiter en tant qu'analyste politique. Pour moi donc 80% c'est Ouattara. Paragraphe suivant. Ce chef d'État m'a transmis la sollicitation du président actuel de la France, Emmanuel Macron. Bon, je pense que c'est vraiment Ouattara qui peut faire ça, parce que c'est le seul qui aime prétendre qu'il est l'ami de tous les présidents. Non, 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 mais Manu, c'est un ami personnel. Hein, Domi. Oui, Chou, tu maîtrises Manu. Non, c'est un ami personnel. Je peux l'appeler à toute heure. Non, 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 non faites-moi confiance. Ce monsieur-là, c'est à lui seul qu'on pouvait s'adresser en 2020, d'autant plus qu'il avait essayé de mettre le premier président de la transition, Bandao, dans sa poche. Vraiment, c'est ce monsieur-là qu'on pouvait appeler. Bon. J'ai donné mon accord et j'ai eu le président français au téléphone, c'est-à-dire le président africain en question, probablement Alassane Rahman Ouattara. A obtenu finalement que le président Emmanuel Macron de la République française et le président Assimi Goïta du Mali se parlent. Maintenant, ils sont au téléphone. Et vous savez que les téléphones des présidents là, c'est des téléphones tellement bien blindés, chacun écoute son camarade. Hein les téléphones des présidents là maintenant avec les affaires Wikileaks, en tout cas Wallace. Voilà. Chacun écoute son camarade. Il n'y a pas quelqu'un qui est petit dedans. Chacun écoute bien son camarade. Tu m'enregistres, je t'enregistre, on s'enregistre. Ou bien. Bon, donc le téléphone est branché maintenant. D'ailleurs, je vous rappelle au passage que le président russe Vladimir Poutine s'était plaint il y a à peu près six ou sept mois du fait que son entretien. Avec son homologue français, avait été enregistré et qu'il était sorti dans la presse. Hein? Donc, en fait, c est, c est, maintenant, c'est une tradition. Quand le, un président parle à un président, il sait qu'il est écouté et enregistré. Oui! Parce que, comme le monde est un monde de rapport de force, mais chacun garde des munitions pour neutraliser son camarade si ça chauffe. D'accord? Je vous dis ça comme ça au passage, hein, parce que les écoutes et les enregistrements téléphoniques entre présidents, c'est quelque chose de banal. C'est quelque chose de banal. Récemment, on s'est même rendu compte que, eh bien, par exemple, ben, les Américains, par exemple, s'arrangeaient à écouter tous les présidents du monde, pratiquement toutes les capitales européennes, les présidents étaient sous écoute. Un autre jour, là, il y a un scandale qui a éclaté. On accusait le Maroc d'avoir écouté le président français grâce au logiciel Pegasus. Pegasus. Donc, on est on, vraiment, on est, le monde est dangereux. Moi-même, mes téléphones dans lesquels je suis en train de vous parler, là, je sais que les néocolons les ont mis sur écoute. Donc quand je suis vraiment fâché le soir, je branche moi-même mes téléphones et je parle fort dedans, en sachant qu'ils écoutent. Vous voyez D'autant plus que vraiment, ce que je leur dis la nuit, c'est ce que je leur dis le jour. Ce que je leur dis à midi, c'est ce que je leur dis à minuit. Matin, midi, c'est la même vérité. Le programme de l'émancipation de l'Afrique des libertés. Vous comprenez il faut être ferme avec ces gens-là. Comme ça, ils savent à qui ils ont affaire. Et comme le disait le président Babou, quand vous passez, on dit, voilà un homme qui passe. Mm -hmm. Bon, donc, les deux présidents se retrouvent donc au téléphone. C'est là où le président Goitia me plaît parce qu'il a un don de narrateur. C'est-à-dire qu'il nous fait vivre le moment. Vous comprenez c'est-à-dire que ce qu'il a révélé là aux Maliens, c'est étape par étape, step by step, il nous livre l'essentiel de l'information utile pour constituer notre jugement. Ils ont commencé par des salutations d'usage. Alors, comment ça va, Simi Vous allez bien, monsieur le colonel Ah, mais monsieur le président, ça va. InshaAllah, ça va, ça va, ça va. Ils ont commencé par les amabilités. Donc, le président Goïta ne nous dit pas que l'entretien était un entretien colérique. Non, ils ont commencé vraiment par le passage de pommade habituel, les formules diplomatiques, la politesse, et hop, enfin le vif du sujet est arrivé. Le président français m'a demandé où nous en étions avec la situation politique au Mali. Vous voyez la question là Déjà, cette question comprend quelque chose de scandaleux. Quel président africain Peut se permettre d'appeler le président français pour lui demander d'exposer de, la situation politique en France. La France qui vient de connaître une primature avec la crise du 49-3. Une première ministre qui gouvernait en passant en force. Parce qu'elle elle, n'a pas de majorité. Elle n'avait pas de majorité. Parce que le, le parti de M. Macron n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Madame. Euh, 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 L'ancienne Première ministre Elisabeth Borne a passé son temps à gouverner en utilisant l'article 49.3 de la Constitution qui permet à l'exécutif de passer en force sans l'assentiment du Parlement pour imposer ses lois et ses décrets. Donc imaginez que le président Goïta, lui, il appelle le président Macron pour lui demander d'expliquer. Allô, 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 président Macron, c'est le président du Mali, Assimi Goïta. Bon, euh, Président Macron, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous utilisez trop le 49-3 Vous nous avez trop parlé de démocratie, démocratie, état de droit, mais apparemment, vous, là-bas, vous ne tenez pas compte du fait que vous n'avez pas la majorité parlementaire. Racontez-moi un peu la crise politique en France, là. Vous imaginez le président Goïta prendre son téléphone pour appeler le président français pour un tel motif Non, jamais. Donc, déjà, simplement la question, où en êtes-vous avec la situation politique au Mali C'est une question d'un supérieur qui demande des comptes à son subalterne. C'est-à-dire que le président Goïta est appelé à donner le CR, le compte rendu. C'est une question qui pue la condescendance, le mépris. Voilà, voilà ce que nous ne voulons plus dans les relations internationales. Voilà ce que les Africains ne veulent plus voir, entendre, supporter. J'écoutais le député Jean-Paul Lecoq dans une intervention à l'Assemblée nationale ici en France qui disait, mais... Est-ce que vous vous rendez compte de l'incongruité qu'il y a pour le président français à convoquer tous les présidents africains à Pau en France pour leur donner des injonctions de choisir leur camp C'est un surveillant général qui convoque les indisciplinés de la classe pour leur distribuer des heures de retenue, des heures de consigne, à certains peut-être éventuellement une petite fessée, comme à l'ancien temps de la Troisième République, les hussards noirs de la République, les instructeurs avaient le droit de fesser sur les enfants. Donc, rien que cette phrase, quelle est la situation politique au Mali Le scandale est déjà là. Comme le dirait Go Michel, le mot est lâché. Le patron demande des, 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 des comptes, un compte rendu à ses employés. Rien que cette phrase-là déjà, à elle seule, elle suffit à être en réalité un casus belli diplomatique. Un président n'appelle pas un autre président pour lui demander de rendre compte de la situation de son pays. C'est chacun qui choisit, s'il a besoin de conseils, de s'adresser à l'homologue de son choix. On comprendrait par exemple que le président Goïta, s'il le souhaitait, ait appelé le président français pour lui dire Bon, euh, vous êtes à la tête d'un pays qui a euh, une histoire politique intéressante. J'aimerais avoir votre conseil sur tel ou tel problème auquel je suis confronté. Mais il n'a rien demandé. On le convoque littéralement au compte rendu, au téléphone. Mais jusque-là, le président Goïta n'est pas, le Goïta pas euh, euh, en colère. Il fait la réponse suivante. Je lui ai confié que les Maliens étaient alors en concertation et qu'à l'issue des dites concertations, nous aviserons de la suite à donner aux événements. C'est-à-dire que le président Goïta, faisant preuve de politesse, a simplement rappelé ce qui était en cours. Ce qui était en cours au Mali. C'est-à-dire qu'au Mali, ce n'est pas le président Asimi Goïta qui décide de tout. Il commence par consulter le plus largement possible le peuple malien. Le peuple malien décide et le président Asimi Goïta exécute alors la volonté souveraine du peuple malien. C'est-à-dire que l'erreur commise dans cet entretien par le président français est d'oublier que le président Goïta n'est pas un putschiste réactionnaire un poutiste néocolonisé. Il a fait un coup d'État révolutionnaire et populaire, c'est-à-dire un coup d'État qui a épousé les aspirations les plus larges et les plus majoritaires du peuple malien. Voilà pourquoi toute décision que prend au final le président Goïta n'est que l'écho de ce que le peuple malien veut au départ. Donc, il y a un malentendu entre les deux hommes. Il y en a un qui pense que le Mali doit se diriger par le haut, un peu comme il dirige avec le 49-3 la France par le haut, au mépris du Parlement. Et puis il y a un autre, un militaire révolutionnaire africain, amoureux de son peuple, qui lui explique que non, en fait, contrairement aux apparences, vous nous appelez jeunes, 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 mais ici, là, on commence par consulter les Maliens. Les Maliens nous donnent leur vision, ils nous donnent leur orientation générale. Après, avec ça, nous faisons un projet de gouvernement, nous faisons un programme de gouvernement, et nous exécutons et nous évaluons ce programme étape par étape. C'est comme ça que ça se passe dans le cadre du malikoura, le peuple d'abord. l'exécution de la volonté du peuple par le gouvernement ensuite. le président est certes celui qui dirige le pays, mais il dirige le pays dans la direction que le peuple veut. il ne dirige pas le pays seul. il ne dirige pas le pays en solitaire à partir de ses rêves à lui, mais toujours à partir d'un consensus préalable avec son peuple. Et à est-ce que vous comprenez Donc, on voit très bien qu'il y a un malentendu entre les deux hommes. Il y en a un qui parle le langage du dirigisme, de l'élitisme complètement détaché de la volonté populaire, le président français. Et puis il y a l'autre qui parle le langage eh bien, de la reconnaissance de la souveraineté populaire, le langage de l'adhésion au peuple, de l'écoute du peuple, le langage de la solidarité. Donc, ils ne sont pas sur la même planète. Ils ne sont pas sur la même planète. L'un se comporte comme César, alors que l'autre, en réalité, se comporte comme un grand prêtre de la Mahat, de la vérité-justice, solidarité des Africains. Alors, la suite. Le président français a répliqué, c'est-à-dire que l'entretien aurait pu s'arrêter là. Mais le président français réplique, c'est-à-dire veut imposer son point de vue. Il a répliqué qu'il était inutile de perdre du temps. Parce que la France disposait déjà de trois hommes au Mali, parmi lesquels il ordonnait de choisir un président et un premier ministre pour diriger le Mali. Le président Goïta nous dit que les consultations populaires que la transition malienne était en train de faire ont été considérées comme une perte de temps par le président français. C'est-à-dire que celui-ci considère que le point de vue du peuple malien ne compte que pour du beurre. On ne dirige pas le Mali du point de vue... Et eh bien, du néocolonialisme, du point de vue de la France afrique, on ne dirige pas le Mali avec le peuple malien. Le Mali, comme l'ensemble des pays africains, doivent être dirigés sans les peuples africains, par des dirigeants coupés de leur peuple et qui font les quatre volontés des maîtres qui les ont imposés contre la volonté de leur peuple. Et donc là, le président Simi Goïta lâche une information incroyable. C'est que le président Macron lui aurait dit personnellement qu'il y avait déjà trois hommes disponible sur place, présélectionné par la France, et que le président Guaita devait faire ses courses entre ces trois hommes pour en désigner un comme euh, président de la transition et l'autre comme premier ministre. Et que ceci étant fait, tout irait pour le mieux. Vous vous rendez compte Vous avez là une fois de plus un témoignage que le système et la pensée néocolonialiste n'ont pas quitté l'élite politique française. De quel droit le président français doit-il choisir les dirigeants maliens Je recommence la question. De quel droit le président français doit-il choisir les dirigeants maliens Va-t-il démentir ses propos Prendra-t-il le risque de démentir ses propos au risque de voir le président Goïta lui sortir l'original Peut-il démentir ses propos Est-ce que vous vous rendez compte Africaines, africain. Française français amis européens, amis américains, amis asiatiques, vous tous ici rassemblés, est-ce que vous vous rendez compte du degré de mépris qu'on peut avoir envers les peuples africains pour prendre son téléphone et ordonner à un dirigeant d'un pays, pays africain de se démettre pour donner le pouvoir à des hommes de paille qui ont été choisis de l'étranger Alors, il y a une information très intéressante c'est que le président a dit que ces trois hommes politiques maliens au service de la France vivent toujours, vivent toujours au Mali. Alors, ça nous amène là encore à réfléchir et à analyser. Le président Goïtia nous dit qu'ils ne vivent pas en France, ils ne vivent pas à l'étranger, ils ne sont pas en exil, comme un certain nombre d'opposants qui ont choisi le chemin effectivement de l'exil et qui combattre le régime du président Goïta depuis l'étranger. Donc, le président Goïta commence lui-même par éliminer une hypothèse que nous pourrions nous faire à propos de ces trois hommes. Il dit contrairement à ce que vous auriez pu penser, ce ne sont pas ceux qui sont en exil. Ce n'est pas Oumar Mariko, ce n'est pas Boubou Sissé, ce n'est pas Kamara Aïnéa, ce n'est pas eux. Moi, j'ai pensé d'abord à ces trois-là. Mais en lisant bien le texte, j'ai compris que le président Goïtia a dit ce ne sont même pas ceux qui sont à l'étranger. là. Ce ne sont pas les maricots, ce ne sont pas les Ainea, Ainea Camara, ce, ce ne sont pas les, 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 les Bouboussissés, mais ce sont des hommes politiques qui vivent actuellement au Mali. C'est-à-dire qui vivent librement au Mali. Bon, le président Goïtia ne nous donne pas leur nom. Mais depuis qu'il a dit ça, mais tout le Mali est en train de chercher la liste. Et moi, j'en profite pour dire que je, je me fais deux idées à propos des raisons pour lesquelles le président Goïta ne donne pas la liste. La première raison, c'est que s'il donne la liste, ça va être un explosif politique. Parce qu'il y a des noms que personne n'attend qui peuvent sortir dans cette liste. Ça, c'est ma première hypothèse. D'accord La deuxième hypothèse, c'est que le président Goïta est en train d'avertir ces individus-là. Qu'ils les connaissent, qu'ils maîtrisent leur dossier. Et que le moment venu, ça va sortir. Parce que mon hypothèse est que parmi ces individus, il y en a qui vont être quand même candidats à la future élection présidentielle. Et c'est à ce moment précis qu'on saura que c'était eux qui avaient été désignés lors de l'entretien entre le président Goïta et le président Macron. Et ce sera une bombe préélectorale extraordinaire. Je peux vous dire que la campagne présidentielle malienne sera une super fête de la souveraineté. cest à que le président Goïta, il fait preuve à ce moment-là d'une astuce incroyable. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais non, ce monsieur-là, mais il est entré en politique récemment, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il a aiguisé. Il dit, ils sont trois, ils ne sont pas à l'étranger, ils sont ici. Depuis qu'il a dit qu'ils sont ici, là, tout le monde se promène à Bamako avec une torche. On dit, c'est qui C'est qui C'est qui C'est qui le trio magique de la France-Afrique qui se promène librement au Mali, c'est qui Je viens de vous donner deux raisons. Premièrement, le président Goïta ne veut pas donner la liste parce que s'il donne la liste maintenant, ça peut être un mini tremblement de terre. Deuxièmement, il ne veut pas donner la liste maintenant, mais il veut avertir les trois mousquetaires de la France-Afrique. Ce qu'on voulait lui imposer avant là, il veut leur dire... Attention, je sais qui vous a envoyé. Je sais qui est derrière vous. Quand vous allez sortir la tête de l'eau pour vouloir récupérer ce pays, à ce moment-là, je vais sortir le Joker. Mais j'ai déjà prévenu les Maliens que vous êtes ici. Enfin, cette partie de la révélation du président Goïta m'a amené à comprendre une troisième chose à propos de ces trois. qui aurait été cité par le président français à propos de ces trois-là. Mais écoutez, si le président Goïta ne veut pas les citer, c'est parce qu'il veut leur donner le temps de changer d'avis. Il veut leur donner le temps de comprendre que leur jeu est maîtrisé. Parce que parmi eux, il y en a qui sont téméraires. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'arrêter avant qu'ils soient en réalité arrêtés par les événements. Donc en fait, d'une certaine façon, en sortant ce joker, le président Goïta va calmer les ardeurs des plus excités parmi les représentants de la France-Afrique à Bamako. On continue. J'ai rejeté cet impératif en répétant que la conclusion des travaux de concertation des Maliens restait le seul passage obligé avant toute prise de décision. Donc en fait, là, le président Goïta s'énerve. Il rejette la proposition du président Macron et lui dit, ici au Mali, c'est le peuple malien et lui seul qui décide. On peut imaginer que cette conversation fut donc en fait une rupture politique entre les deux hommes. Parce qu'à partir du moment où il y a le rejet, cela veut dire qu'il n'y a même plus de projet commun. Et voilà pourquoi la dernière partie de l'intervention attribuée au président français est... Absolument agressive. Car, citation, le président français m'a alors fait cette remarque. Faites attention Le président Ibrahim Boubacar Keïta tergiversait sans cesse en demandant un temps de réflexion. Vous voyez ce qui lui est arrivé. Fin de citation. Ces propos attribués au président français ne sont ni plus ni moins qu'une menace de coup d'État. En français simple, c'est une menace de coup d'État qui a été formulée vis-à-vis. Au président Goïta. C'est-à-dire, vous allez tomber comme Ibeka si vous ne faites pas clairement mes quatre volontés. Est-ce que vous vous rendez compte Mais il faudrait vraiment que la classe politique française se saisisse de ces propos. Il faudrait que les députés, les sénateurs français se saisissent de ces propos et interrogent l'exécutif. Est-ce ainsi que vous parlez au nom de notre pays aux dirigeants africains Comment ne pas nourrir à ce moment-là une adversité farouche des dirigeants patriotes, panafricanistes, révolutionnaires contre la politique africaine de la France, quand on a des témoignages de cette nature, des témoignages irréfragables, irréductibles et indubitables. Voilà. Voilà l'enseignement du premier extrait. Que je suis assis ici à la maison et puis ça sort. Vous avez donc la confirmation, au travers ce premier extrait, de la condescendance. Du paternalisme, du néocolonialisme, de l'ingérence, du mépris avec lequel les dirigeants africains ont été régulièrement traités par une certaine élite politique de ce pays, la France. Pendant que nous sommes en train simplement d'analyser un texte qui a été révélé par un chef d'État, les mêmes sont en train de se courroucer et de s'énerver. De quel droit il se permet d'analyser ce texte Pour qui il se prend celui-là Il rien pour attendre, il va voir. Pourtant, c'est un texte. C'est entre autres ici dans l'université française que nous fûmes formés à l'herméneutique des textes. Comment pouvez-vous former un docteur Et quand le docteur est en train de doctorer, vous commencez à tout sauter, à piailler, à jacter, vous commencez à être hébété. À quoi sert-il de faire un docteur s'il si ne doit pas doctorer sur des textes de cette nature afin de les mettre à la disposition eh bien, de la commune culture je me demande parfois, mais ces gens-là ils pensent que nous sommes allés à l'école pourquoi Nous sommes allés à l'école pour ça. Hein, mes chers amis, vous êtes pratiquement 6000 personnes en direct. 1500 pratiquement sur TikTok. Plus de 2000 sur Facebook. Près de 4000 ici sur YouTube. Pourquoi mon père m'a-t-il envoyé à l'école Ma mère ma t elle envoyé à l'école pourquoi mon pays natal, le Cameroun, m'a-t-il envoyé à l'école Pourquoi ma, ma, ma première patrie africaine adoptive, la Côte d'Ivoire, m'a-t-elle envoyé à l'école Pour faire une maîtrise d'enseignement et un DEA. Pourquoi ma deuxième patrie adoptive, la France, m'a-t-elle envoyé à l'école Pour faire un, 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 un troisième DEA. Un DESS. Un doctorat. Et passer des concours d'agrégation. Pourquoi Si ce n'est pas pour analyser et maîtriser ce qui est produit par la culture. À quoi sert-il de faire des docteurs qui ne doctorent pas <laughs> Voilà le texte. Je ne fais qu'analyser le texte. Je n'ai rien inventé. Le président Goïta a parlé, j'analyse ce qui est écrit. Et je sais que personne ne peut le contredire. Le texte est authentique. Le président Goïta ne ment pas. Passons au deuxième texte. Le deuxième texte, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or, le deuxième texte. Il est tout aussi explosif que le premier. Le deuxième texte qui porte sur les révélations de l'entretien avec l'ambassadeur. Là, le président Goïta est d'une précision telle que l'ancien ambassadeur de France au Mali ne peut pas broncher, il ne peut pas faire, comme on dit chez moi à Douala, il ne peut pas faire wak. S'il fait wak, le président Goïta sort tout. Voilà pourquoi le président Goïta donne la date. Il donne le jour précis. Il dit le 9 juin 2021. Le 9 juin 2021, l'ambassadeur de France au Mali a amené un document. Donc, le président Goïta dit J'ai le document là. Comme on dit chez moi à Abidjan, ça est ici. J'ai ça. C'est-à-dire qu'il a le document comme ça là. Il a ça là. Il a le document. Hein? C'est dans sa main. Au moment où il parle, même il a ça. Qu'est-ce qui était dans le document Écoutez la proposition scandaleuse qui est faite par l'ancien ambassadeur de France au Mali. Est-ce que ça c'est acceptable En tant que citoyen français, je suis outré. Je suis outré qu'on se comporte comme cela envers des pays étrangers au nom du peuple français. J'ai honte pour le peuple français qu'on se comporte de cette façon. Il va avec un document dans lequel il est écrit que l'OTAN doit déployer des troupes au Mali. Qu'est-ce que c'est que l'OTAN Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'Atlantique Nord, c'est la partie supérieure de l'océan Atlantique. C'est-à-dire... La partie de l'océan Atlantique qui se trouve entre l'Europe et les États-Unis, l'Europe, la Grande-Bretagne, l'Angleterre et les États-Unis. Cette partie-là, cette organisation a été faite pour ça, pour sécuriser cette zone entre l'Europe et les États-Unis. Cette organisation devait disparaître après la chute du mur de Berlin, puisqu'elle était faite pour défendre le bloc de l'Ouest contre les menaces du bloc de l'Est. Quand le mur de Berlin est tombé, normalement l'OTAN devait fermer ses portes. Les voilà qui quittent de l'Atlantique Nord, pour descendre dans le Sahel, jusqu'au Mali. Et ils veulent installer des militaires au Mali. Et le président Goytad a ajouté pour s'ajouter à la mission Takuba, mission française, à la mission Barkhane, mission française, à la MINUSMA, qui rassemblait toutes les troupes néocoloniales du monde entier, sur le sol malien. et puis plus est, s'ajouter au G5 Sahel, ça faisait combien d'organisations occupant le pays Il aurait fallu que l'OTAN soit là, que Takouba soit là, que Barkhane soit là, que la Minusma soit là, que le G5 Sahel soit là. Cinq alliances de force. Et le président Mali, du Mali dit, j'ai dit non. Avec l'ambassadeur, il n'a pas perdu le temps. Et dans les salamalèques et la politesse comme il l'a fait avec le président. Par respect pour le président de la République française, en tant que chef d'un État, il a eu le temps de l'amener progressivement vers le non. Mais quant à l'ambassadeur, il lui a dit non. Et pourquoi lui a-t-il dit non Citation, j'ai compris qu'il voulait faire de notre pays soit un point d'entrée de toutes les dérives, c'est-à-dire qu'on voulait envahir l'Afrique militairement à travers le Mali, soit il voulait emprunter le chemin de la balkanisation, la division de notre pays. C'est-à-dire que c'était en réalité la mise en œuvre du plan pour créer leur soi-disant Azawad dans le nord du Mali. Le président Goïta a compris que c'était un attentat contre l'unité du Mali qui était en cours. Mais vous vous rendez compte C'est un témoignage d'un chef d'État. Est-ce que ce que le président Goïta vous dit, est-ce que ça se recoupe avec les analyses que votre serviteur vous a servies ici depuis des, depuis des décennies, depuis plusieurs années Avant d'aller plus loin dans l'analyse de cet extrait, est-ce que vous avez appris quelque chose de radicalement nouveau à propos de l'OTAN Qu'est-ce que je vous ai dit Qu'est-ce que moi j'ai démontré ici par mes propres ressources, avant que le président Goïta ne parle Qu'est-ce que j'ai démontré Je ne vous ai pas dit que c'est l'OTAN qui avait organisé la déstabilisation de l'Afrique par la destruction de la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Je n'ai pas dit ça ici. Est-ce que vous voyez un dirigeant politique africain qui vient de faire maintenant une révélation confirmant que l'ambassadeur de France en personne est venu avec un plan d'occupation du Mali par l'OTAN est-ce que, est que, vous, est que vous, mesurez, vous mesurez la gravité de ce qui se passe Vous vous rendez compte de la gravité de ce qui se passe Une organisation, une alliance militaire de l'Atlantique Nord, une alliance militaire occidentale dépêche l'ambassadeur de l'un des pays membres de cette alliance afin que celui-ci fasse accepter son installation dans un immense pays ouest africain. Non content d'avoir détruit la Libye, bombardé la Libye pendant six mois, assassiné Kadhafi, volé l'or de la Libye, volé le pétrole de la Libye, le gaz de la Libye jusqu'à ce jour, volé les avoirs faramineux que Kadhafi avait placés dans les banques occidentales jusqu'à ce jour. Non content d'avoir fait cela en association avec Al-Qaeda et l'État islamique qui ont envahi par la suite tout le Sahel et qui ont rendu les États dépendants de l'aide militaire internationale. Non content d'avoir fait ça, il vient demander au Mali d'accepter. L'occupation de trop. L'occupation de trop. Ne vous ai-je pas dit, je, ne vous ai-je pas démontré ici que la déstabilisation du Sahel, la déstabilisation du Nigeria, du Cameroun, la déstabilisation de la République démocratique du Congo, du Centre-Afrique, du Tchad, la déstabilisation maintenant du Golfe de Guinée, où on laisse s'infiltrer des groupuscules terroristes pour harceler les États. Ne vous ai-je pas dit que c'était le plan général de l'OTAN pour imposer aux Africains une recolonisation militaire Je l'ai dit oui ou non Non, il faut que vous témoigniez. Parce que c'est vous mes témoins. Je vous ai donné plusieurs conférences ici depuis plusieurs années dans lesquelles je l'ai établi oui ou non. Je l'ai dit à l'époque où tout le monde tremblait à l'idée de le dire. Oui ou non Vous êtes mes témoins. Je l'ai dit à l'époque où beaucoup d'entre vous n'osaient pas le répéter. Quand vous disiez ça, vous regardiez derrière vous. Hey, attends, j'ai dit quelque chose. Hey, est-ce que, est que je vais voir le jour demain Ouais. Zappa, baba, et. Oh, Allah, et hey Allah. Je, le professeur Niamsi a dit ça, j'ai répété. Hey, est-ce que je vais vivre longtemps Vous vous souvenez Les premières fois que vous nous entendiez dire ces choses, comment vous tremblez à notre place Certains priaient. Hey, Seigneur, le pauvre monsieur, est-ce qu'il va même arriver à 50 ans Eh hey Allah. Et le pauvre. Bon, le président Goïta s'est mis devant vous. Et il dit que l'ambassadeur de France, le 9 juin 2021, est venu lui demander l'occupation militaire du Mali par l'OTAN. Vous dites quoi maintenant? Qui peut dire non? Qui peut dire non? Qui peut nier ça? Puisque le document existe, la date est là. Les détails sont donnés par le président. Vous dites quoi? Mais c'est très grave. C'est très grave, c'est abominable ce qui nous arrive en Afrique. C'est abominable. Qu'est-ce que l'OTAN vient faire avec ses troupes sur le sol africain Je, je, je pose la question. Maintenant, ils envisagent d'installer des bases de drones sur le golfe de Guinée. Ils en ont partout en Afrique. Ils ont pratiquement 7000 à 8000 hommes en Afrique. Pourquoi Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter des vagues d'occupation militaire de ces ennemis de nos libertés. Une armée africaine occupe-t-elle les États-Unis Occupe-t-elle l'Europe Occupe-t-elle l'Asie Pour que l'Afrique soit en permanence occupée militairement par des armées occidentales Et on nous dit que le fait de protester contre cela, c'est de la haine Vouloir simplement être respecté chez soi Vouloir être souverain chez soi, c'est de la haine ça, ou c'est du bon sens. Mais c'est moi qui paye ma maison où je vis. Tu vas venir m'imposer ta loi dans ma maison Ce sont les peuples africains qui payent le fonctionnement de leur pays. Ce sont les richesses africaines qui payent le fonctionnement de l'Afrique. Vous voulez imposer aux Africains en permanence d'être sous votre occupation militaire, votre occupation monétaire, votre occupation diplomatique Vous voulez que le 21e siècle aussi s'achève sans que l'Afrique se soit débarrassée de votre domination inhumaine, horrible, démoniaque Est-ce que c'est acceptable En quoi y a-t-il de la haine à rétablir simplement la vérité, la justice, l'équité je le disais l'autre jour, mais vous avez une base de drones à Agadez au Niger. Permettez au Niger d'avoir une base de drones, par exemple à Fort Knox aux États-Unis. Là, on va dire que vraiment vous êtes dans la réciprocité. Vous avez des bases au Tchad, mais permettez au Tchad d'avoir des bases militaires en Normandie. Oui Arrêtons ça Si le Tchad ne peut pas avoir de base militaires en France, il n'y a pas de raison que la France ait des bases militaires au Tchad. Et, et, et nous, sommes pas, nous sommes allés à l'école pour être capable de dire ces choses élémentaires, d'injecter dans le débat public des vérités qui élèvent. En quoi ce que je dis là relève de la haine C'est du bon sens. Deux pays qui ont besoin l'un de bases militaires chez l'autre, eh bien, s'il y a un pays qui a besoin de bases militaires chez l'autre, il faut qu'il accepte la réciproque. Sinon, ce n'est pas la peine. Tu ne peux pas vouloir t'installer militairement chez moi. Alors que moi, je ne peux pas m'installer militairement chez toi. C'est terminé ça. L'Afrique bébéisée, l'Afrique infantilisée, l'Afrique rienisée, l'Afrique néantisée. Elle est debout. Elle vous dit non. Et c'est de cela que parle le président Goïta. Et du coup, ce deuxième est très très important. On comprend maintenant l'arrière-fond qui a précédé l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali. Est-ce que ce monsieur devait durer? Honnêtement, dans un pays normal, est-ce qu'un ambassadeur doit venir avec une telle proposition? Si tu n'as pas de, du mépris pour les gens chez qui tu es accrédité, est-ce que tu dois te lever, quitter ton, ton consulat avec une lettre pareille? Voilà, je viens vous proposer de vous occuper militairement avec une alliance de 17, 20 pays. Est-ce que ça, là, c'est une proposition décente? Il s'agit d'une proposition indécente, incongrue, abominable. Un pays normal expulse le même jour un ambassadeur qui est venu avec une telle proposition. On le chasse le même jour. Le 9 juin 2021. Je vais étudier après cette date par rapport à la période à laquelle l'ambassadeur a été viré. Car je ne serais pas surpris qu'il ait été viré, entre autres, pour ça. Retrouvez-moi la date à laquelle il a été renvoyé en France. Je pense que cette date n'est pas loin. de ce que le président Goïta nous révèle. C'est choquant. Un ambassadeur ne doit jamais dire ça. Un ambassadeur ne devrait jamais dire ça. Vous êtes dans un pays, vous ne pouvez pas aller proposer à ce pays l'occupation militaire de son territoire par une coalition de puissances à laquelle vous appartenez. De quel droit vous faites cette proposition Pour moins que cela, l'ambassadeur Palais Jimé, Diallo a été chassé de France, l'ambassadeur du Mali en France. Avant que l'ambassadeur de France au Mali ne soit chassé, expulsé, l'ambassadeur du Mali en France avait été expulsé. Vous savez pourquoi On l'a invité à une commission au Sénat. Non, Toumani, non, non, ce pas Palais, c'est Toumani Jimé Diallo. C'est exactement comme cela qu'il s'appelle, son excellence Toumani Jimé Diallo. Toumani Jimé Diallo. On l'invite au Sénat, on lui demande de donner son point de vue sur l'évolution de la mission française eh bien, au Mali. Il commence par remercier vraiment la France pour l'assistance depuis 2013, etc. Ensuite, il souligne quelques difficultés liées au comportement de certains éléments de la force française au Mali. Rien que pour avoir souligné ces quelques difficultés, le monsieur fut convoqué et chassé de France. Vous voyez ça Rien que pour ça. Et il n'a même pas dit, lors, parce que j'ai écouté toute son audition au Sénat français, il n'a même pas dit, nous proposons à la France d'envoyer un détachement malien équivalent, qui pourra lui aussi séjourner sur le sol français et se balader librement avec les mêmes franchises que le détachement français au Mali. Voilà, il n'a même pas dit ça. S'il avait dit ça, il aurait été, je pense, enlevé dans la salle du Sénat, menotté, mis dans un, un avion. Avec un parachute et lancé au Mali. Là, il a seulement dit parmi les éléments de la force française au Mali, il y en a quelques-uns qui ont des comportements qui ne font pas honneur à l'armée française. Il a été viré. Combien de fois quelqu'un qui se lève pour dire je vais faire venir tous les diables qui, 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 qui fomentent des guerres partout sur la terre depuis pratiquement 70 ans les pires guerres qui ont été fomentées sur la Terre depuis 70 ans sont les guerres de l'OTAN. Je vais, je, je vais aller chercher ceux-là et je vais les installer chez vous. Quelqu'un te dit ça en plein jour, dans ton palais. Toi, un président. Mais si tu n'es pas maître de toi, mais tu le mets aux arrêts. Tu le fous aux arrêts tout de suite parce que c'est un espion qui met en danger la sécurité de ton pays. Si tu n'as pas le respect de ce qu'on appelle les usages diplomatiques, tu l'arrêtes tout de suite. Ce n'est pas possible. Enfin, quand même. Toujours sur cet extrait, j'ai une dernière réflexion à partager avec vous. Franchement, dites-moi, tous les pays africains qui continuent à avoir des bases de l'OTAN chez eux, qu'est-ce qu'ils qu 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 cherchent Tous les pays africains qui ont des bases militaires, là américaines, les bases militaires françaises, tous les pays africains qui ont les bases de drones américaines, israéliennes, ils veulent quoi exactement pour les générations actuelles et futures d'Africains Maintenant qu'on sait très bien que la déstabilisation de l'Afrique est l'œuvre volontaire et déterminée de l'alliance de l'OTAN. La révélation du président Goïta. Devrait être l'occasion pour tous nos dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger, l'occasion pour eux de redoubler de vigilance et de se méfier des agents doubles qui pullulent dans la sous-région africaine. Des gens qui jouent sur tous les tableaux, des gens qui font semblant d'être solidaires envers le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple nigérien, mais qui, à la première occasion, vont pactiser, vont, vont, vont aider avec l'ennemi avec lequel ils ont pactisé il y a longtemps. Vont aider l'ennemi avec lequel ils ont pactisé il y a longtemps pour déstabiliser l'alliance des États du Sahel. Président Goïta, président Traoré, président Tiani, je comprends qu'au nom de la réelle politique, vous soyez obligé de diversifier les relations de vos pays respectifs. C'est votre droit. Et c'est votre prérogative, c'est votre responsabilité au nom des intérêts vitaux de chacun de nos peuples, maliens, burkinabés, nigériens. Mais cette affaire de l'OTAN qui ressurgit par une déclaration du président Goïta, n'est-elle pas la preuve que le président Goïta sait que l'OTAN veut sa peau Est-ce que vous avez bien compris qu'à partir du jour où le président Goïta dit qu'il ne veut pas de l'OTAN au Mali, l'OTAN, elle, en veut au président Goïta. Je recommence une deuxième fois. Est-ce que c'est clair pour tout le monde qu'à partir du premier jour où le président Goïta a dit que lui, il ne veut pas de l'armée de l'OTAN dans son pays, le Mali, à partir de ce jour-là, l'OTAN l'a inscrit dans une liste rouge Ce que je dis là est vrai ou c'est faux Je recommence une troisième fois. À partir du jour où vous dites à l'armée de l'OTAN, non, vous ne vous installez pas chez moi, l'armée de l'OTAN écrit on l'aura un jour on l'aura par tous les moyens possibles et parmi ces moyens possibles il y a l'utilisation des agents doubles attention aux flatteurs attention à ceux qui vous donnent l'impression d'être pleinement avec vous alors que eux-mêmes sont sous la protection de vos ennemis attention c'est mon devoir en tant que serviteur de la vérité, de la justice et de la solidarité des Africains de tirer toutes les leçons de cette révélation. Le président Goïta tire la sonnette d'alarme pour lui-même, président du Mali. Il tire la sonnette d'alarme pour son frère, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Et il tire la sonnette d'alarme pour son frère, le président Abdourahmane Tiani. Il leur dit, soyons prudents. Vous avez observé que depuis un certain temps, un certain nombre de pays connus pour leur mentalité hybride, leur duplicité diplomatique, parce qu'ils sont gouvernés par des vassaux de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental, ils se sont mis à multiplier des missions vers les pays de l'émancipation africaine pour essayer de les amadouer, les adoucir et les endormir. Le président Goïta vient de sonner la fin de la récréation. En tant que militaire et géostratège, il voit bien comment les bases de drones de l'OTAN sont en train de s'installer autour du territoire de l'AES. Alors que le Niger se prépare à libérer les soldats américains du sol, du sol euh, euh, nigérien. Mais les bases de drones américaines, elles commencent par le Maroc, elles continuent par la Mauritanie, par le Sénégal. Elles glissent, elles glissent, elles glissent. Elles. Euh, sont installés encore pour quelques temps dans la moitié nord du Niger. Paf, ça va au Tchad. Paf, ça tourne maintenant. À un moment donné, ils avaient le droit d'avoir des bases de drones au nord du Cameroun. J'ai lu la littérature qui indique que ces dernières années, euh, le, 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 le despote Bia, l'autocrate Bia, s'est débarrassé d'une bonne partie de la base de drones américains. Est-ce qu'ils sont tous partis du Cameroun Rien n'est moins sûr. Hop, ils sont déjà au Nigeria avec Tinubu. Qui a des problèmes de cocaïne, des problèmes de faux diplômes aux États-Unis et qui est obligé de faire profil bas. Ils l'ont déjà forcé et le Nigeria est déjà leur base de drones. Paf Ils ont des bases de drones. Bien sûr, au Bénin, puisque Talon leur a ouvert toutes les portes, n'est-ce pas Grandement, il leur a ouvert. À travers Israël, ils ont des bases de drones au Togo. Ça, c'est l'information scientifique. Hein, que personne ne bondisse de sa chaise. Ils ont des bases de drones au Togo. L'Amérique est militairement présente au Togo à travers l'influence de son allié Israël. On continue. Le Ghana c'est leur maison. Ils ont déjà des bases là-bas. Ils ont une base militaire au Ghana. Ils sont assis. On continue. La Côte d'Ivoire, mais c'est leur maison. Ouattara leur a déjà tout donné. Ouattara jure tous les jours qu'il veut une base américaine. Il est prêt à donner des terres qui ne lui appartiennent pas, bien sûr. Il s'en fout complètement pour que une base américaine, couplée à la base française, garantisse son pouvoir à vie et celui de sa Ouattara. Ouattara est prêt à tout. Il leur a déjà donné toutes les garanties. Venez, venez, venez. Installez-vous à Bijan. Non, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. On continue. Ce n'est pas le Libéria de Ouéa qui peut leur faire obstacle. La Guinée, envers eux, elle est dans l'ambiguïté. Puisque le président Mamadou Doumbouya, pour prendre le pouvoir en Guinée, a bénéficié de la complaisance de la France-Afrique et de la complaisance américaine. Ce sont les câbles américains qui ont même révélé le rôle des Américains dans le succès du coup d'état de Doumbouya. D'accord Je vois souvent certains de mes frères guinéens qui n'aiment pas la vérité et qui ne supportent pas cela. Mais ce sont les Américains, c'est le département d'État américain qui a publié les preuves. Ce n'est pas moi. On m'appelle le docteur des preuves. Je ne dis jamais quelque chose sans preuve. Le régime du président Doumbouya, qui a un ancrage panafricaniste à cause de la tradition du pays depuis le président Ahmed Sekou Touré, est à un autre pied dans la France-Afrique, un autre pied dans l'impérialisme américain, par son origine même, l'origine de ce régime par son encadrement quotidien et sa composition réelle. Voilà la vérité. Donc le président Goïtia, quand il regarde la situation, quand il regarde bien la situation, il voit très bien que l'OTAN est en train de faire une manœuvre d'encerclement. Voilà pourquoi il a augmenté la dotation de drones de l'armée malienne récemment. Je vous ai attiré sur cette question, j'ai attiré votre attention sur... Les secteurs de l'armée malienne que le président Goïta renforce. Et il renforce particulièrement le secteur de la surveillance aérienne. Pourquoi Mais parce qu'il voit comment l'OTAN s'enroule autour de lui comme un serpent. Comme un immense python. L'OTAN s'enroule autour de l'AES. Elle s'enroule, elle s'enroule, elle constitue, elle constitue ses nœuds concentriques. Sa tête est cachée. À un moment donné, elle sortira sa tête. Et même pas une seule. C'est un serpent à plusieurs têtes. Il a une tête au Tchad. Il a une tête au, au Maroc. Il a une tête à Mauritanie. Il a une tête au Sénégal, ce serpent otanien. Il a une tête en Côte d'Ivoire. Une tête au Libéria. Une petite tête en Guinée. Il a une tête. Euh, 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 grosse tête au, au Ghana. En Côte d'Ivoire. Il a une, 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 une belle tête au Togo. Il a une tête euh, au Nigeria. Il fait tout pour retourner, se repositionner en Centrafrique. Il a une certaine tête au Cameroun. Tout ça pour empêcher. L'émergence du plus puissant État africain du XXIe siècle, embryon de la Fédération des États-Unis d'Afrique. C'est clair pour vous ou pas? Le président Goïta, qui est un maître de la géostratégie et par conséquent de la géopolitique, a vu ça. Voilà pourquoi il parle. S'il s'est permis de citer nommément l'OTAN, s'il s'est permis de citer nommément le président français, citer nommément l'ambassadeur français. Du 9 juin 2021, c'est qu'il tire une immense sonnette d'alarme pour tous les peuples africains et pour tous les dirigeants africains, pour leur dire ne dormons pas sur nos lauriers. Rien n'est acquis. Tout est à construire. Tout est à défendre. Les latins disaient civis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare bien la guerre, parce qu'on va te la faire. Il y a des gens qui sont des ennemis de la paix. Et ceux qui sont les amis de la paix doivent apprendre à combattre les ennemis de la paix. Voilà pourquoi, à toutes les époques, toute grande civilisation tient d'une main la truelle pour construire la civilisation et de l'autre l'épée. Toute grande civilisation tient d'une main la truelle pour continuer à bâtir le havre de ses générations présentes et futures, préserver la mémoire de ses ancêtres glorieux et celle du Tout-Puissant, et de l'autre main... Toute grande civilisation tient l'épée pour se défendre contre les impies, les méchants, les sournois, les hypocrites, les aliénés. Il ne faut pas que l'Afrique retombe dans une logique de bisounours. Il ne faut pas que l'Afrique recommence à croire que le monde va lui faire le moindre cadeau. Le monde ne nous fera aucun cadeau. Comme le disait le général Bijar, la vie est vache, mais l'important c'est de le savoir. Oui, la vie peut être très vache, mais l'important c'est de le savoir. Oui, ce que le président Goïta vient de dire là, ça a une valeur inouïe. Tous ceux qui dormaient au premier banc vont se réveiller. Tous ceux qui commençaient à croire dans les salamalek les, 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 les fausses conciliations qu'on leur propose, les faux sourires et des médiateurs de la CDAO qu'on leur propose, tous ceux qui avaient commencé à croire en cela, ils vont se réveiller, comme dirait Emmanuel Kant, de leur sommeil dogmatique. Ils vont être hierés. Ils vont cesser d'être dans la boubou la, la boubazomania. Ils vont cesser de se laisser gnamorodéniser. Ils vont sortir de la gautisation. Ils vont être dégautisés, comme dirait le professeur Boathiemele Ramsès. Oui, Asimi Goïta dégautise la classe politique africaine par ses vérités crues. On ne va pas construire l'AES avec des demi-mesures. Hein. Ce ne sera pas un pied dans l'OTAN, un pied hors de l'OTAN. Hein. Un pied dans l'OTAN, un pied hors de l'OTAN, c'est dedans. Et ce n'est pas dans l'AES. L'alliance des États du Sahel est une alliance d'États qui se veulent souverains. L'armée la plus puissante de l'espace AES doit être l'armée confédérale et future armée fédérale du Sahel. C'est tout. Il ne doit pas y avoir une armée qui nous dépasse en Afrique. La plus puissante armée du Sahel doit être l'armée de la Confédération du Sahel, l'armée de la Fédération sahélienne. Point barre. Personne d'autre ni l'armée américaine, ni l'armée française, ni l'armée russe, ni l'armée chinoise. Quelle que soit l'armée, aucune armée ne doit être plus puissante au Sahel que l'armée du Sahel. Écrivez ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent "Ah ouais, les africains, ils sont chauds pour passer d'une colonisation à une autre." C'est pas vrai. La preuve. La Russie et la Chine vendent le matériel sollicité par les Africains aux Africains. Et les Africains utilisent eux-mêmes ce matériel. Aujourd'hui, ce sont les militaires maliens qui pilotent les drones maliens. Les militaires burkinabés qui pilotent les drones burkinabés. Les militaires nigériens qui pilotent les drones nigériens. L'aviation militaire malienne est pilotée par les Maliens. Nigérienne par les Nigériens. Burkinabés par les Burkinabés. La coopération technique, ça, ça existe dans toutes les armées. Mais. Aucun des dirigeants de l'AES n'a l'ambition de devenir une colonie militaire de la Russie, de la Chine, de la Turquie ou de l'Iran. Ce n'est pas vrai. Je parle de ce que je connais. Je parle de ce que je vois. Je parle de ce que je vis. Si quelqu'un vous dit le contraire, dites-lui qu'il ment et qu'il le prouve. Qu'il nous prouve le moindre début de colonisation militaire. Il s'agit d'un partenariat pour mettre fin au pillage, à la soumission aveugle de l'Afrique et permettre à l'Afrique, en existant par elle-même, de participer puissamment à la construction d'un monde multipolaire. Voilà l'axe. Donc, vous avez vu la liste des forces qui se prétendaient faussement amis de l'Afrique, mais qui étaient des ennemis. Le président Goïta en a fait la liste. Vous avez bien noté C'est lui qui a fait la liste. Hein? Takuba, Barkhane, Minusma... G5 Sahel, à laquelle il faut ajouter l'OTAN. Voilà la liste des forces, faussement amies, réellement ennemies des peuples africains. La liste est faite par le président Golch. Il en a profité pour faire la liste à tout le monde, pour que plus personne n'ait de doute sur la nature de ces forces qui venaient balkaniser le Mali. Mais ce sont les mêmes forces qui ont balkanisé toute l'Afrique. Les frontières africaines ont été imposées par les puissances qui contrôlent les mêmes forces en 1884-85. Voilà mes chers amis, l'exégèse, l'interprétation, l'herméneutique, le commentaire que je voulais donner de ces deux déclarations, ces deux extraits saillants des propos du président Assimi à Bamako. Ces propos sont entrés dans l'histoire car ces propos correspondent parfaitement à ce que l'archive scientifique nous enseigne. Je n'ai rien appris de nouveau pour ma part dans ses propos. Car les vérités qui sont dites dans ses propos, moi j'avais réussi à les reconstituer en travaillant sur les documents scientifiques disponibles. Le président Goïta vient ici confirmer ce que la science a déjà affirmé avec preuve. Sa confirmation est une béatification de la vérité africaine. Sa confirmation est une consolidation. Sa confirmation est en effet une sacralisation de ce qu'on pouvait déjà savoir par la voie de l'intellect. Béni soit le président Asimi Goïta, béni soit l'ensemble des dirigeants de la révolution malienne. Quant aux trois infiltrés de la France-Afrique qui sont en embuscade, croyant pouvoir se faire élire président de la République du Mali le moment venu, qu'ils profitent de l'avertissement sans frais qui leur a été donné pour changer en réalité de carrière. Car le peuple malien que je connais, est déterminé à ne plus se laisser gouverner par un valet. Le peuple burkinabé que je connais est déterminé à ne plus se laisser gouverner par un valet. Le peuple nigérien que je connais n'acceptera aucune marche arrière de qui que ce soit. La révolution sahélienne n'a qu'un seul devoir, c'est celui d'avancer. Mes chers amis, à une heure aussi tardive de la nuit, vous étiez pratiquement, oui, pratiquement, 8000 personnes à suivre cette émission. Plus de 4080 sur YouTube. Près de 3000 sur euh, Facebook. Et près de 2000 sur TikTok. Je voudrais remercier chacune et chacun de ceux parmi vous qui aura distribué sur ces réseaux respectifs la présente émission. C'est un tournant décisif de l'éclatement de la vérité sur la déstabilisation de l'Afrique. C'est un moment vital. N'oubliez pas de récupérer la les propos du président Goïta et de les disséminer dans le monde entier. Donnez ça jusqu'au pôle Nord, dans l'Antarctique et dans l'Arctique partagé. Dans l'Arctique, dans l'Antarctique partagé, à l'Est, à l'Ouest de ce globe partagé. Partagez les propos profonds, les révélations hautement explosives du président Goïta. Car elles achèvent de faire tomber les écailles des esprits endurcis et négatifs, de ceux qui croyaient que nous étions dans une partie de simple plaisir, alors que nous sommes en train d'accomplir le plus grand des devoirs envers les générations africaines passées, présentes et futures. Je vous bénis, mes amis. Merci, merci infiniment à celles et ceux qui ont partagé l'émission. Merci. Merci infiniment. Merci, merci. Pas besoin de lancer courri pour les trouver, vous avez raison.